La mairie de Paris demande à l'État de rembourser les destructions faites par les gens violents. Mais qui est celui ou celle qui permet à la mairie de Paris d'avoir des finances, qui remplit le porte-monnaie de l'État? Est-ce que ce n'est pas la même personne? Est-ce que ce n'est pas le contribuable? Ceux qui n'étaient pas là, ceux qui n'habitent pas là, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui ne veulent pas, paieront quand même. Comme si l'État, tel qu'on te le présente chaque jour, était une entité particulière qui était dans un coin. Comme si l'État n'était pas riche de l'argent que nous y mettons tous. Lorsque l'État est condamné, nous sommes condamnés. Lorsque la mairie de Paris demande à l'État de rembourser, c'est le contribuable français qui doit rembourser pour les violences commises par des gens qui sont aussi des Français, mais qui n'ont pas compris que tout ça, c'est de l'argent. Ça coûte du fric aux contribuables, à l'État, à la mairie de Paris. Tous ces établissements n'ont rien, sinon notre argent à nous. C'est nous qui allons payer pour tout rembourser, tout payer. Ce sont ceux qui vivent sur place qui vont vivre l'horreur. Ah, tu n'es pas d'accord? Viens vite. Alors, tu vas là, je te prie. Ajoute maurice.usa sur Skype.